Trahison, déception et relations brisées. Voilà des termes qui résument bien les rapports entre la famille royale britannique et le duc et la duchesse de Sussex. Le prince Harry et Meghan Markle semblent livrer bataille contre les Windsor depuis 2020. C'est au cours de cette année qu'ils décident de se retirer de leurs fonctions royales et de déménager en Californie. S'ensuivent le documentaire Meghan et Harry sur Netflix et les mémoires du prince intitulé Spare, dans lesquels ils s'étalent sur leurs tensions avec leurs proches, en particulier le prince William et la reine Camilla. Une source proche de Kate Middleton a indiqué à OK Magazine, repris par The Express ce dimanche 13 août, que cette dernière a la dent dure contre la mère d'Archie et Lilibet. À l'origine de ce grief, l'interview retentissante que Meghan Markle avait donnée à Oprah Winfrey en mars 2021. Au cours de cet entretien, l'ancienne actrice de Suits avait fait des révélations fracassantes sur la famille royale, accusant indirectement certains membres de racisme à son égard et leur reprochant leur manque de soutien à son arrivée. Après ça, Kate a tiré un trait sur eux. Elle ne changera pas d'avis à leur sujet, a déclaré la source. Quand William a dit à Kate qu'il voulait enterrer la hache de guerre avec Harry, elle était furieuse, et ça s'est terminé en dispute. Elle ne pardonnera jamais à Meghan ce qu'elle a fait. Il semblerait donc qu'une réconciliation entre ceux que l'on surnommait les Fab Four ne s'opère pas de sitôt. La rumeur voulait pourtant que leur relation se soit apaisée au retour de Meghan et Harry au Royaume-Uni pour l'enterrement d'Elizabeth II en septembre 2022. Mais il n'en est rien, Robert Jobson, expert en royauté, avait indiqué que leur retrouvaille avec les Sussex avait été pour Kate l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais eu à faire. William voudrait faire un pas vers Harry. Mais Kate pense que Harry et surtout Meghan ont causé assez de tort à la famille royale, et feront encore plus de mal si on les laisse revenir, a conclu la source. Supérieur à supérieur à Kate Middleton et William souriant malgré les attaques d'Harry, leur sortie remarquée et Kate Middleton sort les griffes pour protéger William. Ce n'est pas la première fois que des proches de Kate Middleton rapportent sa vive réaction à l'encontre de Meghan Markle après la fameuse interview. Kate a soutenu son mari, et cela l'a rendue assez inflexible, même si elle a la réputation d'être timide, relatait page 6 en juillet dernier. La princesse de Galles a en effet vu son mari souffrir des propos des Sussex, à tel point qu'elle aurait sorti les griffes pour le protéger. D'après nos confrères, la mère de George, Charlotte et Louis a soigneusement mis sa touche personnelle au communiqué écrit par la reine au lendemain de l'interview télévisée. La fameuse phrase « Les souvenirs peuvent varier » aurait tout bonnement été dictée par la jolie brune de 40 ans. C'est Kate qui a clairement indiqué que l'histoire jugerait cette déclaration et que si cette phrase ou une phrase similaire n'était pas incluse, tout ce qu'Harry et Meghan avaient affirmé serait considéré comme vrai, ont rapporté des employés de Buckingham. Crédit photo, agence.